Yo tout le monde, c'est JV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de... Mario! Voilà, et Acrobatique Rebelle, mais malheureusement, elle est très occupée actuellement, donc c'est Mario qui présentera, qui va le faire ouvrir les portes de la voiture, le capot, et le coffre, évidemment. Bon, là, on va faire avant que tu ouvres les portes, Mario, on va faire la présentation ensemble de la Chevrolet Chevelle SS 118. Et je vais peut-être mettre un lien de cette voiture en description si ça vous intéresse ou pas. D'accord? On est 36 abonnés, merci beaucoup. Allez, maintenant on va vous présenter, tiens, les roues en avant. Tenez, c'est un superbe, magnifique. Hein. Ouh là là! Oh! Ouh là là! La cheville Chevelle SS. La voiture là où Dominique Toretto dans Fast and Furious 4 a utilisé cette voiture, mais par contre elle a été peinte en gris, je me souviens très bien avec O'Connor. Voilà. La présentation, là l'arrière. Vous voyez bien la Chevrolet Chevelle SS, c'est bien écrit. Et c'est tellement bien fait. La voiture, elle est super propre, super magnifique. Ça fait un an que je l'ai. J'ai eu pour mon pot, mais je les avais eu pour mes 16 ans. Je me souviens super bien, la SS, n'est-ce pas? Maintenant, Mario, s'il te plaît, mon frérot, est-ce que tu pourras ouvrir le capot, s'il te plaît, sans te montrer ta tête? Très bien, merci beaucoup, Mario. Donc, maintenant, non. Déjà, le capot. Alors, et regardez le moteur typique des années 70, même pas 60, regardez. Hop, c'est super belle, elle est super magnifique, bien customisée, pas customisée parce que sinon ça va encore le costume. Regardez, hop, je sais pas si on peut voir mieux. Ah oui. Ah ça pète bien la qualité. Vas-y, tu peux fermer. Voilà. Maintenant, si tu veux bien, nous allons ouvrir cette fameuse porte gauche, la gauche seulement. Oui. Là, avec la qualité, c'est pas terrible que j'utilise mon Android. Je dis pas le nom de la marque, sinon je me fais baiser. Voilà. On a du mal à voir. Tu peux fermer la porte. Vas-y, doucement. Merci à toi. C'est. T'as du mal? Oh là là, oui. Voilà. Je vais la tourner, d'accord? Et tu vas faire identiquement avec la droite. Identiquement, ça ne se dit pas, merde. Putain, les copyrights. Alors. Non, ça arrête. Voilà. On n'arrive pas à voir le volant. La qualité est tellement dégueulasse. C'est tout noir tellement que c'est vraiment pas bien fait. Bon, c'est pas grave. Vas-y, ferme, s'il te plaît. Voilà, frérot. Merci à toi. Maintenant, le coffre. Maintenant, le coffre. Vas-y, le coffre de la Chevelle SS. Ne te montre surtout pas ta tête, sinon on se fait baiser. Vas-y, vas-y. Ah, et ben qu'est-ce qu'on voit? On voit juste la petite trou de la roue de dépannage. Enfin, je sais pas si c'est comme ça. Enfin. Une roue de secours, quoi. Voilà. Et bah vas-y, ferme. Et voilà les gars, ce sera tout pour aujourd'hui. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de JV13 qui est ici dans le descriptif. 36 abonnés, c'est vraiment pas mal du tout. Allez, 40 abonnés en espérant plus 5, même 50, voire. C'était qui présente... Alors, je vous remercie à... Mario? d'avoir présenté la vidéo de... La voiture? De JV13, la Chevrolet Chevelle SS. Yes. Merci beaucoup. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye.